Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Dans le Texte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hamzat Boukhari Yabara. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Merci. Alors, euh, vous êtes historien, euh, spécialisé notamment dans l'histoire des pays africains et des luttes panafricanistes. Euh, et je vous reçois euh, pour euh, cet ouvrage euh, que, vous avez, que vous avez écrit en 2014, qui a été publié aux éditions de La Découverte en 2014. Il s'intitule Africa Unité, euh, une histoire du panafricanisme. Alors il s'agit d'une fresque euh, historique de, de très grande ampleur, puisque euh, vous euh, nous faites parcourir près de deux siècles de lutte, de lutte panafricaine euh, et plus largement euh, de lutte des populations euh, noires. Puisque, comme vous le, le rappelez de manière, de manière très, très informée, très, très appuyée, euh, ce n'est pas euh, à partir euh, de 1960, c'est-à-dire au moment euh, des indépendances, que les populations a -a africaines ont cherché à, à, à regagner leur, leur liberté et leur indépendance. Euh, C'est une histoire qui remonte euh, à, à beaucoup plus loin euh, que cela, et notamment au moment euh, de la, la révolution euh, haïtienne. Euh, qui marque un véritable point de départ hein, en tout cas un moment euh, un tournant historique euh, crucial dans la constitution de ce que euh, vous appelez la famille africaine mondiale. Alors cette expression de famille africaine mondiale elle est extrêmement importante puisqu'elle touche euh, au cœur même de ce qu'est le panafricanisme à savoir en fait un ensemble de résistances euh, nées parmi les millions et les millions de de femmes et d'hommes noirs euh, qui ont été déportés euh, en captivité euh, du continent africain vers euh, les Amériques euh, et vers la Caraïbe. C'est donc, c est, c est donc une, un projet, une idée, et puis un, un projet qui est né euh, au sein de la diaspora, euh, une diaspora historique qui a perdu euh, son lieu euh, originel, sa terre d'origine, la terre de ses ancêtres, et, euh, et qui euh, cherche donc à unir. Et à réconcilier euh, toutes les composantes euh, de l'identité euh, africaine euh, en vue euh, d'émanciper euh, le continent africain, en tout cas d'en faire euh, une Afrique euh, libre, euh, unie euh, et souveraine, et euh, surtout euh, libérée de ce système euh, d'oppression et de prédation euh, qui a été mis en place par l'Occident euh, à, son, à son endroit. Alors, euh, avant de de commencer, euh, avant de, de rentrer spécifiquement dans le cœur de votre travail, de votre ouvrage, euh, actualité euh, oblige, je vous, 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 vous propose euh, de consacrer donc, un, un moment d'échange euh, autour de la crise sanitaire que, que nous traversons, euh, mais du point de vue, bien sûr, euh, du continent africain. Euh, il se trouve que, euh, comme porte d'entrée, on va dire, à notre discussion, il se trouve que... Début avril, il y a eu une note du Quai d'Orsay qui est sortie dans la presse, euh, donc une note du ministère des Affaires étrangères françaises, euh, qui se disait, se disait donc inquiet, donc le gouvernement français se disait inquiet, euh, notamment que le, les effets du Covid-19 pâlaient des régimes politiques déjà affaiblis euh, dans les pays africains et sapent des économies déjà fragiles. Alors peut-être que avant de vous demander ce qu'il faut penser de cette inquiétude du point de vue des de, du gouvernement français, euh, est-ce que euh, vous pourriez nous, euh, nous dresser comme ça un état des lieux général sur de l'impact euh, qu'a qu eu cette crise euh, sanitaire euh, dans les pays africains Oui, effectivement, le, la pandémie du, du Covid-19 a touché l'Afrique. C'était euh, le dernier continent touché par, par cette pandémie ce qui nous change des schémas habituels où généralement on voit plutôt l'Afrique comme le, le point de départ des, des grandes pandémies ou l'épicentre mondial des crises, des crises sanitaires. Là, pour une fois, l'Afrique a été la dernière touchée, la dernière impactée et la dernière, je dirais, ciblée, puisque on sait globalement que le, le virus est entré par des flux aériens, touristiques, donc il vient de l'extérieur. Donc ça, c'est un premier élément. Et euh, donc, l'impact que, que cela a eu sur le continent africain euh, a souvent été vu sous l'angle de la manière dont l'Afrique est marginalisée dans la mondialisation. Euh, on a souvent évoqué le fait qu'il y avait très peu de flux aériens entre l'Afrique et le reste du monde pour expliquer que l'Afrique, finalement, est très peu touchée. Ce qui est assez paradoxal, puisque depuis 2-3 ans, il y a un grand discours sur la Chine qui colonise l'Afrique, qui est très en lien avec l'Afrique. Donc, on se demande pourquoi cela a pris autant de temps si la Chine est autant présente en Afrique, étant donné que. Euh, l'épicentre euh, officiel de cette euh, pandémie est euh, la Chine autour de la région de Wuhan. Euh, ensuite, on a eu, je dirais, de la part des, euh, des États africains, un certain nombre, euh, je dirais, d'avertissements qui, euh, qui ont été émis euh, par le biais de l'OMS pour les alerter sur le fait que cette crise allait nécessairement les toucher et qu'il fallait qu'ils prennent des précautions et qu'ils anticipent. Euh, les dites précautions, les dites anticipations se sont principalement résumées a tenter de faire du mimétisme vis-à-vis -vis des mesures prises en Europe, c'est-à-dire des politiques de confinement, euh, des politiques de prévention euh, classiques et euh, des politiques, on va dire, euh, sanitaires au niveau des infrastructures, avec la grande différence que sur le continent africain, nos infrastructures sont euh, particulièrement euh, délabrées euh, du fait des politiques d'ajustement structurel dans les années 90 et du fait que euh, la médecine, le secteur de la santé en Afrique est encore un secteur profondément colonial. Euh, C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse à ce secteur-là que quand on peut y trouver euh, de l'intérêt, du profit, du bénéfice. Et donc c'est un secteur qui est totalement libéralisé, qui est contrôlé en grande partie euh, par les euh, ONG, donc Médecins sans frontières, Médecins du Monde, etc., euh, par également les euh, différentes euh, fondations. Fondation Bill et Melinda Gates notamment, mais bien d'autres également qui sont présentes en Afrique et euh, également donc par un certain nombre de, de structures euh, privées euh, qui tentent, je dirais, de, de venir en aide aux populations. Euh, donc dès le départ, il était plus ou moins prévu que les États, une grande partie des États africains, les capitulaient. Euh, sauf que euh, contrairement au regard des médias occidentaux, l'Afrique a évolué. L'Afrique n'est plus ce qu'elle est dans les imaginaires. Et euh, les Africains, les Africaines, les sociétés civiles, les populations se sont euh, auto-organisées. Euh, très rapidement, il y a eu des, euh, comment dire, des, des actions sur les réseaux sociaux pour produire des masques. Euh, on a vu la production de masques au Maroc qui a surpris la France. Euh, les Sénégalais se sont engagés pour produire 30 millions de masques. Euh, dans un peu tous les pays, on a vu ce type d'initiative pris en main par les, euh, les, les organisations de la société civile, les mouvements sociaux, les citoyens, etc qui ont également mis en place leur propre politique de prévention à travers des clips. Et là, les artistes africains ont joué à nouveau ce rôle d'éveilleur de, de conscience, d'alerteur de conscience, puisqu'on est sur une pandémie qui ne touche pas réellement le continent africain encore aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes s'interrogent sur la réalité, mmh. la véridicité de cette, de cette maladie, de cette pandémie. Euh, effectivement, les chiffres sont assez, euh, sont très faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du monde. Je crois que les principaux pays où ça se chiffre en milliers euh, sont euh, ben, le, 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 les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud, plus un petit peu le Nigeria du fait euh, de son poids euh, démographique. Mais dans la plupart des autres pays, on est sur une pandémie qui a fait beaucoup moins de victimes que euh, ne le font euh, le paludisme ou le Sida, qui sont les deux grands. Euh, Problème, on va dire sanitaire du continent africain. Euh, néanmoins, euh, en dépit de cela, je pense qu'il faut euh, également euh, aborder la, la manière dont l'Afrique est vue comme le laboratoire de tout ce qui se passe dans le monde, et donc le monde entier scrutait la manière dont le Covid-19 allait toucher le continent africain. Sous-entendu, c'est à l'échelle de ce que le continent africain subira qu'on saura ce qu'il en est réellement de cette pandémie. Euh, le continent africain n'a pas été frappé effectivement de la même manière. Donc, pour les raisons peut-être d'insertion dans la mondialisation, euh, a été évoqué également le cas de la structure démographique différente, à savoir qu'on voit bien que c'est un virus qui touche principalement les personnes d'un certain âge et euh, l'échelle, comment dire, la pyramide euh, démographique africaine est euh, proportionnellement inverse à celle des pays du Nord. Donc là encore, on ne peut pas évaluer. L'impact du Covid à la morbidité, puisqu'on n'a pas de chiffres qui montrent une grande morbidité. L'autre élément, ça euh, aurait été la question des tests. Mais là encore, que ce soit dans les pays du Nord ou en Afrique, on voit bien qu'il y a toute une problématique autour de comment on teste les personnes. Et dans ce cadre-là, on a vu des kits qui ont été envoyés pour tester les populations et dont on a euh, constaté qu'ils étaient déjà euh, contaminés, notamment au niveau de la Tanzanie. Donc tout cela a euh, alimenté donc, des, des réseaux de, de suspicion, beaucoup de suspicions. Et euh, par rapport à ce, ce sentiment que cette maladie n'existerait pas, que ce serait quelque chose inventé par les Occidentaux, euh, s'est greffé bien évidemment mais, euh, tout le, comment dire, toute l'huile jetée sur le feu euh, par l'OMS, bien évidemment, donc, qui a tapé euh, sur le doigt des dirigeants africains en disant attention, attention, attention. Euh, C'est également euh, greffé des euh, commentaires de différents euh, acteurs du monde médico-social, notamment ici en France, donc des, des deux euh, professionnels de santé qui ont évoqué l'intérêt d'aller faire des tests en Afrique, des, des tests de vaccins en Afrique, du fait précisément que les populations africaines évoluent dans des contextes sanitaires très euh, dégradés. Ce qui est assez intéressant parce que ça montre en fait que nous sommes en Afrique le, le point zéro de la médecine. C'est vraiment à partir des études faites sur ces populations qui sont totalement désœuvrées, euh, contre leur consentement et qui n'ont pas accès euh, à d'autres types, on va dire, de, euh, de diagnostics, que euh, la médecine occidentale se fonde. Et donc, on, je dirais, se réinscrit. Dans cette histoire de la médecine coloniale qui date vraiment de la fin du 19e siècle, qu'on partait à conquérir l'Algérie, le Sénégal, Madagascar, et qu'il fallait doter donc, ces puissances coloniales des instruments pour répondre donc, aux différentes maladies qui décimaient les colons. Donc il y a aussi ce côté qui, qui réapparaît. On a vu parmi les différentes rumeurs cette photo de stock de chloroquine qui était destinée à l'armée française. En Afrique. Et là aussi, on peut faire le parallèle sur le fait que le principal foyer apparu en France au-delà de l'église à Mulhouse était quand même une caserne militaire dans, je crois, les Hauts-de-Seine, vers Compiègne ou une ville comme ça. On peut y rajouter le fait que dans les thèses sur l'apparition du, du Covid, il y avait dans cette géopolitique sino-américaine la question des jeux militaires qui avaient eu lieu dans la région de Wuhan quelques mois plus tôt avec un fort contingent. Euh, militaire américain euh, plus le fait qu'on sait que au niveau de la base euh, de Barkhane il y a des cas de, de Covid 19 donc on peut s'interroger aussi sur ce lien entre euh, le militaire le médical le scientifique et euh, également sur le fait que euh, on est aussi dans un contexte quelque part de guerre bactériologique et que euh, dans ce contexte de guerre bactériologique les ressources du continent africain et quand je dis les ressources, c'est à la fois la résilience, c'est-à-dire la capacité des, des corps noirs, des corps africains à, à, comment dire, à, à traiter ou à dépasser euh, cette, euh, cette pandémie ou les différents types de pandémies, est très étudiée. Et d'autre part, euh, le métabolisme, euh, l'environnement. Donc à un moment, on a dit que les Africains étaient peut-être naturellement immunisés, etc. Euh, le métabolisme, l'environnement et euh, bien évidemment les, les ressources, notamment les, les plantes traditionnelles. Font également l'objet d'un suivi très particulier. Et dans ce contexte-là arrivent euh, quelques euh, inventions africaines. Il y a un médecin béninois qui s'appelle Valentin Agon, qui a inventé l'apivirine, euh, qu'il a testé au niveau du Burkina Faso, qui avait l'air de donner des résultats parce que c'est un antipaludéen et qui finalement a été interdit par les autorités burkinabées. Alors il faut savoir que depuis que ce médicament a été interdit, le Burkina Faso est en Afrique de l'Ouest, le pays avec le Niger le plus touché par le Covid-19. Il y a eu de l'autre côté du continent africain, à Madagascar, le président Rajuel, euh, le président malagache, qui a lancé cette fameuse tisane, Covid-Organix, en la présentant comme euh, le remède euh, au Covid-19. Et à partir de là, bah, il y a eu tout un débat euh, sur le fait de se demander si euh, les solutions africaines pouvaient être acceptables dans un monde où euh, la médecine s'est toujours construite dans un rapport du nord au sud. Et dans une notion de mission civilisatrice, on a du mal à imaginer que les pays du Sud pourraient trouver leurs propres solutions, et qui plus est des solutions qui pourraient euh, être adaptées au reste du monde. Donc on est dans une situation qui est, qui est extrêmement euh, intéressante, euh, sur laquelle il faut, il faut rester vigilant, parce qu'il y a effectivement très peu de cas de Covid, mais aussi parce qu'il y a très peu de tests et de dépistages. Et dans le même temps, euh, on est confronté aussi à d'autres problématiques. Euh, sanitaires réels sur le continent africain, qui sont un peu invisibilisés par le Covid, qui fait l'actualité mondiale. Et ensuite, on est sur une crise sanitaire qui a surtout des conséquences économiques. Et donc cela aussi, il faudra s'y pencher. Alors à la fois des conséquences, je dirais, négatives, dans le sens où euh, le secteur informel est touché par cette crise, notamment dans les pays où il y a des politiques de confinement, et dans le même temps aussi des opportunités, puisque euh, les lignes aériennes se sont arrêtées. Quelque chose qui est, assez, qui est, qui est incroyable euh, sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on est sorti pendant un certain temps de cette logique d'import-export où euh, les magasins des pays du Sud euh, sont achalandés par les produits qui viennent du Nord, par bateau, par avion, etc. Et donc on entre dans une période où il y a la possibilité pour les pays africains, peut-être, de ne plus euh, être dépendant des fameuses importations du Nord, mais de trouver un moment pour euh, produire elles-mêmes ce qu'elles avaient l'habitude de consommer par importation. Donc, si je faisais un parallèle en décentrant le sujet, on est un peu comme en 1940 quand euh, l'Allemagne nazie faisait un blocus autour de l'Europe pour isoler au maximum euh, le Royaume-Uni et la France de leurs colonies, et puis surtout pour, euh, je dirais, isoler encore plus l'Europe des, des, des États-Unis et de l'Amérique en général. Et cette période autour des années 40 avait permis notamment aux pays sud-américains comme l'Argentine et le Brésil, de développer un processus d'industrialisation puisqu'ils ne pouvaient plus recevoir les produits dits manufacturés qui venaient d'Europe. Donc on est un peu aussi dans, ce, dans cette possibilité, je dirais, de, de basculement, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de rompre avec le vieux système et du point de vue des dirigeants africains, on ne la voit absolument pas. Donc c'est, je pense, aussi l'un des, de, des enjeux qui n'est pas suffisamment évoqué. Mais qui mérite de l'être. Enfin, le dernier point sur la, la note d'un du, euh, analyste du, du Quai d'Orsay, euh, qui est euh, assez intéressante, puisque le Quai d'Orsay s'est désolidarisé de cet analyste. Et euh, les analystes sont effectivement euh, libres de donner leur avis. Mais euh, je pense que les éléments qui sont contenus sont à, à prendre avec, euh, euh, avec intérêt puisque euh, la, la, la crise du Covid-19 va nécessairement modifier la structure des sociétés africaines et va certainement montrer qu'il est possible, je dirais, de prendre d'autres voies et d'autres pistes. Donc il y a sans doute de la part de la France une anticipation vis-à-vis euh, -vis des conséquences que pourrait avoir le Covid-19 et euh, surtout un regard euh, très, euh, comment dire, euh, très vigilant, très alerte sur la manière dont les situations de, de déconfinement ou de sortie de crise vont se jouer, euh, étant donné que sur la période de euh, l'automne 2020 à l'été 2021, il y aura un certain nombre d'élections présidentielles euh, dans les anciennes colonies françaises, donc dans la France-Afrique. Alors, justement, il y, y, y a un autre élément effectivement euh, 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 qui est sorti euh, du point de vue du gouvernement euh, français vis-à-vis -vis de l'Afrique. C'était lors de l'une des allocutions euh, d'Emmanuel Macron pendant le confinement. Euh, il a euh, déclaré vouloir euh, euh, annuler massivement la dette africaine pour, je cite, euh, aider les pays africains à faire face à la crise. Alors, c'est. C'est une déclaration qui a fait beaucoup parler, qui a beaucoup étonné, qui, qui, euh, qui est étonnante. On s'est demandé tout de suite spontanément euh, où était le vice en fait dans cette déclaration. Euh, alors peut-être que avant de, de, de vous demander ce que, ce que, ce que vous en pensez, peut-être qu'il faudrait euh, revenir sur la nature même de cette dette, euh, en connaître les origines, le poids aussi. Et, euh, et les conséquences qu'elle a sur la santé économique des, des pays africains. Mmh. Alors, si on prend le cas des, des anciennes colonies françaises, bon, bien évidemment, il y a eu une conquête coloniale qui prétendait développer ces territoires, mais il y a eu très peu d'investissement. On était dans une colonisation euh, d'exploitation avec des économies de rente. Euh, autour des années 50, quand arrive le quartierisme, la Corrèze plutôt que le Zambèze, il y a tous ces débats. Du point de vue du, du patronat euh, colonial, sur le fait que euh, plus on donne des droits sociaux aux euh, colonisés, euh, plus on leur donne des droits, plus finalement l'exploitation de ces territoires-là coûte cher. Et donc il fallait, je dirais, rationaliser l'exploitation du continent africain. Et donc au tournant des indépendances, il y a un certain nombre de structures qui ont été euh, euh, qui ont été mises en place. Et euh, parmi ces structures-là, euh, donc il y a bien évidemment donc le Franc CFA qui a été euh, officialisé comme monnaie de ces États euh, dits indépendants. Il y a également un certain nombre d'accords économiques, monétaires et commerciaux qui ont été mis en place à ce moment-là. Et puis surtout, il y a le maintien, je dirais, d'une politique de monopole préférentielle entre la France et ses anciennes colonies, qui fait que la France se porte depuis cette époque-là comme le garant vis-à-vis -vis de euh, l'économie, vis-à-vis, je dirais, de, des, des réajustements budgétaires de ces anciennes colonies via le mécanisme du Front CFA, qui est en fait l'un des instruments de la dette. Le deuxième instrument, c'est euh, les outils multilatéraux et le fait qu'au euh, moment de la mise en place des institutions de Bretton Woods, donc le Fonds monétaire et euh, la Banque mondiale, donc, les États-Unis qui lançaient le plan Marshall au niveau de l'Europe vont participer à la reconstruction de l'Europe de l'Ouest et une partie de ces fonds vont être également injectés dans les anciennes colonies. Et donc, ça aussi va être un autre élément de la dette qui va permettre en fait de contrôler l'économie de ces États lorsqu'ils deviennent indépendants. Le troisième élément, c'est tout simplement qu'au moment même de l'indépendance, la plupart des dettes qui étaient liées aux administrations coloniales vont être mises sur le dos. Des États qui naissent de manière indépendante. Et donc, les États sont nés déjà avec une dette structurelle et euh, intégrés dans des euh, mécanismes d'échange qui les rendaient euh, dépendants des pays du Nord à travers le fait qu'ils étaient dans l'incapacité de s'industrialiser et donc dans l'incapacité finalement de sortir d'un euh, mécanisme euh, d'échange inégal avec les pays du Nord. Mm -hmm. euh, à ce premier élément euh, structurel se sont ajoutés. Bien évidemment, donc, des dettes illégitimes contractées par des régimes euh, pour financer des, des biens qui n'avaient pas lieu d'être financés, en tout cas qui n'allaient pas dans le sens des intérêts des populations. Se sont ajoutées les différentes crises, notamment la crise comment dit, euh, environnementale avec la, la sécheresse dans les années 70, les chocs pétroliers euh, qui ont également déstructuré la plupart des économies euh, africaines à cette époque-là. Et euh, également, donc, dans les années 90, la mise en place des politiques d'ajustement structurel où le mécanisme de la dette a permis au Fonds monétaire et à la Banque mondiale en fait, de supplanter euh, les différents euh, ministères des Finances et du Budget africains. Et donc d'être directement au contrôle budgétaire de ces pays-là et donc de déterminer euh, où doivent aller leurs investissements, euh, quelles doivent être leurs ressources, leurs financements, leurs fiscalités, des taxes, etc. À cela s'ajoute donc l'OMC qui rajoute notamment les accords de partenariat économique, l'Organisation mondiale du commerce, qui rend encore plus dépendants les producteurs africains vis-à-vis -vis des marchés européens. Et donc on est donc dans un système global euh, où euh, la dette est, je dirais, de plusieurs natures. Euh, elle est à la fois donc, structurelle, euh, elle est euh, économique et monétaire, et euh, elle est également politique. Et donc lorsque euh, Emmanuel Macron euh, fait cette annonce-là, il s'inscrit dans la lignée d'autres dirigeants, notamment le président de la, de la Banque mondiale, mm -hmm. euh, David Malpass, qui avait déjà proposé donc, cette, euh, cette annulation de la dette, euh, les euh, pays du G20, déjà réunis, qu'il avait déjà proposé, et euh, quelques États africains, notamment le Sénégal de, de Macky Sall, qui avait pris cette initiative-là. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Macky Sall demande l'annulation de la dette, ça n'a strictement rien à voir avec le discours de Thomas Sankara en 1987, qui disait qu'il faut refuser de payer la dette. Ça n'a strictement rien à voir. Dans le cas de Thomas Sankara, il s'agissait de sortir de la dépendance au Club de Paris et au Club de Londres, qui sont des clubs privés qui réunissent les, euh, les principaux investisseurs qu'on appelle les bailleurs de fonds, et de créer, en fait, au niveau africain, eh bien, nos propres fonds de développement, notre propre fonds souverain et, quelque part, notre propre système monétaire africain. Dans le cas de Macky Sall, en fait, il s'agit tout simplement de demander. Donc une annulation ou un, ou, un, ou un moratoire ou un réajustement de cette dette qui pèse tout simplement sur l'économie des États africains puisqu'il faut, il faut, il faut rembourser les services de la dette et ce remboursement-là pèse sur les dépenses budgétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dette a été remboursée déjà plusieurs fois et elle est recréée à travers donc des politiques structurelles, macroéconomiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt des populations mais qui permettent de maintenir le contrôle sur l'économie et les ressources de ces États. Donc on est vraiment, par rapport, je dirais, euh, euh, on est vraiment dans un coup de bluff politique, hein, puisque euh, la déclaration de, de Macron, en soi, n'a pas de sens. Euh, D'une part, ce n'est pas euh, à lui, en tant que président français, de, de réclamer ou d'obtenir ou de décider de l'annulation de la dette. C'est-à-dire qu'il n'en a pas le pouvoir, en fait euh, Il n'en a pas le pouvoir direct. Déjà parce que euh, le continent africain a plusieurs partenaires. Il n'y a pas que la France. Que souvent la France se met en avant comme étant euh, la seule à gérer, à maîtriser euh, l'Afrique. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la France ne maîtrise plus rien du tout. Elle est totalement larguée. Ce qui lui reste, c'est euh, des coups de bluff, de la communication et surtout ben, l'allégeance euh, d'un certain nombre de dirigeants africains euh, qui restent derrière elle et qui lui donnent, je dirais, une certaine crédibilité euh, sur la scène politique, mais qu'elle n'a plus vis-à-vis -vis de la Chine. Vis-à-vis d'autres acteurs qui sont euh, euh, bien plus implantés économiquement aujourd'hui sur le continent africain. Et, et, et qu'est-ce que vous pensez de la thèse euh, qu'on euh, qu retrouve euh, dans les milieux euh, antiracistes, voire panafricanistes enfin, qui consiste à dire que euh, il s'agit aussi pour la France de faire barrage euh, à la Chine sur le continent, euh, sur le continent africain. Enfin, que c'est une, une bataille de leadership, notamment parce que la france ne détiendrait que 4% en fait de la dette euh, africaine, tandis que la chine en euh, détiendrait, je crois, euh, près de 40%. et que donc en fait, quand il s'agit pour elle de dire, euh, nous souhaitons une annulation massive de la dette, c'est dans l'intérêt, en fait, c'est dans son intérêt vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de, vis -vis de la chine, en fait. oui, tout à fait, tout à fait, de toute manière, je crois qu'il y a, comme je disais, un un, comment dire, un coup de bluff qui est ouais. fait par la france vis-à-vis -vis de la situation. Euh, du continent africain qu'elle ne maîtrise pas, tout simplement parce que la France s'est toujours concentrée sur son précaré, ses anciennes colonies, et qu'en dehors de ces anciennes colonies, elle n'existe pas du tout en Afrique. Mmh. Euh, il n'y a que dans les anciennes colonies que euh, les médias français-africains ont un poids. En dehors de ces espaces-là, c'est des médias qui n'existent pas. Et euh, l'Afrique qui, euh, qui avance, l'Afrique qui se développe, l'Afrique qui, euh, qui, euh, qui réussit, ce n'est visiblement pas euh, l'Afrique des anciennes colonies françaises. Donc on peut aussi se demander pourquoi. Et donc depuis un certain temps, il y a la volonté de la France de sortir de son précaré, d'aller vers d'autres euh, territoires, d'autres États, et euh, bah, de se confronter euh, à d'autres formes d'impérialisme économique qui sont présents sur le sol africain. Mmh. Mais euh, cela nécessite effectivement bah, de croiser de fer avec la Chine, ce qui n'est absolument pas dans les capacités de l'État français aujourd'hui. Mmh. Et euh, il y a aussi quelque chose de frappant dans cette euh, allocution, dans la manière, donc dans ce, ce coup de bluff, c'est la manière de présenter les choses de telle sorte que, euh, en fait, les, euh, la France vienne en aide euh, à l'Afrique. Euh, encore une fois, que c'est un geste euh, humaniste, que c'est un, un, un geste humanitaire même euh, de solidarité, alors que euh, il est euh, ce qu'on ce pourrait. Euh, lire aussi, interpréter, euh, au contraire, c'est qu'il s'agit d'une gestion, euh, gestion de la crise, qui est une gestion française, en fait, de, de la crise, puisque, euh, comme vous le rappelez, euh, l'Afrique est l'un des principaux lieux d'approvisionnement euh, pour la France, et que donc, si l'Afrique était effectivement euh, terrassée par, euh, par une crise euh, euh, sanitaire, puis politique, euh, et, et, et également économique, en fait, c est, c est, ça, ça, ça aurait des conséquences extrêmement graves euh, pour euh, l'économie française qui est imprégnée. Donc en fait, ce, qu ce que cela nous montre, c'est la réalité de la dépendance de la France vis-à-vis -vis de, de l'Afrique et non l'inverse en fait. Puisque la, la France sans l'Afrique ne serait pas la France qu'elle est aujourd'hui. Tout, tout à fait, tout à fait. C'est des logiques d'approvisionnement et de débouchés. C'est-à-dire qu'on euh, a besoin, en tout cas l'économie française, euh, L'ardouyant, on ne le voit pas ici quand on en parle, mais a besoin d'une classe moyenne africaine qui consomme français, qui, euh, qui achète français. Euh, Renault a besoin que cette classe moyenne achète ses voitures. Euh, Air France, qui a déjà annoncé des vols vers l'Afrique, a besoin qu'il y ait ces vols vers l'Afrique parce que c'est sur ces itinéraires-là qu'Air France fait euh, la plus grande partie de son bénéfice. Donc, il y a effectivement besoin de, de relancer, euh, en tout cas, d'éviter que la consommation euh, de cette dite classe moyenne africaine ne s'effondre. Et donc euh, cela fait aussi partie effectivement du, euh, du package, en plus effectivement de ce discours euh, très humiliant, euh, très, comment dire, euh, cette, cette fausse générosité mmh. qui nous renvoie encore une fois tu, à une image, je dirais, de mendicité. Mmh. Or l'une des réponses qui est souvent faite, c'est que euh, lorsque un Africain est endetté, au contraire, il veut payer sa dette parce que c'est un honneur euh, eh bien, de, de, de payer sa dette. Et mmh. je pense que nous l'avons euh, déjà mille fois payé cette dette-là, et je crois que c'est un, un jeu de poker mentaire qui dure depuis un certain temps, et qui vise tout simplement à euh, effacer euh, une autre revendication qui gêne beaucoup plus la France, qui est celle des réparations, tout simplement. Alors, justement, est-ce qu'on est qu pourrait aborder aussi la question des, des réparations J'avais prévu de, 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 de l'aborder un peu plus tard, mais on peut, le, on, on peut co commencer euh, dès maintenant. C'est vrai que c'est une revendication qui, a, qui, euh, qui apparaît, en tout cas, qui, qui apparaît euh, dans toute l'histoire, en fait, euh, des, de, des luttes euh, euh, panafricaines, des luttes africaines, des luttes noires aussi. Euh, alors, euh, qu'est-ce que ça recouvre exactement comme. comme réalité ce, ce terme de réparation et euh, co comment on estime le coût euh, de, de réparation pour des siècles de, de déshumanisation, des siècles d'exploitation en fait ben, Le coût on peut le calculer tout simplement parce qu'il y a des, euh, des entreprises, il y a des particuliers, il y a des, euh, des États qui ont bénéficié de cet argent. Ouais. On peut retracer euh, le, le déplacement des fonds, les comptabilités, etc. Donc euh, le coût on peut l'évaluer, on peut évaluer... Ce que représente tel type de travail gratuit pendant tant d'heures et pendant tant de jours et de mois et de siècles. Donc on peut l'évaluer. Il y a eu des travaux qui ont évalué à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Donc ce travail-là, on va dire, ce simple travail de calcul purement économique ou financier peut être évalué. La réponse souvent de l'État français ou des États qui sont, qui sont comment dire, Indexé sur cette question des réparations, c'est de dire qu'ils euh, ont déjà euh, fait de l'aide au développement, euh, des, euh, des prêts, etc. En gros, qu'ils auraient déjà réparé à travers cette politique dite de générosité du nord vers le sud. Mais euh, dans les faits, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus global et qui dépasse, je dirais, la seule question économique, euh, mais qui renvoie tout simplement également à des enjeux euh, fondamentalement politiques. Euh, C'est-à-dire de poser euh, la, euh, dire, la, la question de la rupture avec le système capitaliste, avec le système de dépendance, également de repenser euh, la problématique de la redistribution des ressources à l'échelle mondiale. Euh, Aujourd'hui, c'est le continent africain qui continue à pourvoir en matières premières et en ressources l'ensemble de la planète, mais qui n'est récipiendaire que euh, de politiques dites d'aide au développement ou d'aide. Et donc euh, l'un des enjeux des réparations, je dirais, c'est de remettre quelque part l'économie sur ses deux pieds et de la réorienter euh, vers, je dirais, des enjeux euh, de développement humain. Euh, c'est pour ça que dans la question des réparations, il y a un accent qui est mis notamment sur euh, le financement euh, des euh, recherches euh, sanitaires et médicales concernant notamment les maladies dont on sait qu'elles sont historiquement liées à la traite, à l'esclavage et à la colonisation. Qu'il y a également un, 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 un volet qui est lié à la destruction environnementale. Hein, je pense que quelqu'un comme Malcolm Ferdinand pourrait en parler autour de l'écologie décoloniale, qui est lié à la destruction environnementale de ces espaces-là qui ont été travaillés par le capitalisme et qui aujourd'hui sont invivables pour des populations descendantes de ceux qui ont été réduits en captivité et qui sont pourtant liés de, euh, de, manière, de manière concrète. Et euh, in fine, il y a bien évidemment euh, la problématique des multinationales, euh, puisque lorsque l'on parle de profit et de réparation, il y a bien évidemment ce qui est lié à la politique des États, mais en même temps le rôle des multinationales. Et on sait que euh, lorsque cette question des réparations est abordée, euh, les multinationales sont également directement visées, et les États ont euh, malheureusement beaucoup de mal à imposer quelques règles que ce soit aux multinationales. Donc c'est en fait tout ce système-là. Qui est, qui est indexé, sur lequel on peut ajouter les différentes puissances culturelles également qui se sont construites autour de la traite et de l'esclavage, et qui appelle à penser des réparations globales, à obtenir des réparations globales, et à faire en sorte qu'on euh, puisse repartir sur euh, un plan beaucoup plus, beaucoup plus sain euh, en termes de développement et en termes de politique. Euh, très bien, alors euh, je vous propose de d'entrer dans le vif euh, du sujet donc euh, euh, autour de votre, de votre ouvrage Africa Unité euh, alors euh, il est question de panafricanisme euh, vous commencez par, euh, par dire que le panafricanisme est une énigme historique euh, que, vous, que vous définissez que vous que vous définissez par la suite alors justement est-ce que, est que vous pourriez euh, euh, nous nous dire ce que euh, les délimitations on va dire de ce le panafricanisme, et, et notamment, du coup, de l'identité africaine mmh. euh, Et aussi, en quoi il se distingue de cet autre vocable que vous évoquez, euh, qui est le pornégrisme mmh. Alors, le, mm, les, les africanismes, c'est un terme utilisé en, en anthropologie et en ethnologie pour désigner, en fait, les survivances culturelles africaines à l'extérieur du, du continent africain, donc euh, tout ce qui est lié euh, à la gastronomie, les spiritualités, euh, les musiques, les danses, etc., tout ce qui représente une grande partie de la culture des Amériques et euh, qui est souvent considéré, quand on regarde les, les Amériques, comme des ajouts, alors que je pense que ces éléments africains sont en fait la matrice euh, autour de laquelle euh, les Amériques se sont construites, alors que généralement on voit plutôt la matrice européenne, les WASP, alors qu'en fait les, euh, les ajouts africains sont plutôt la, une matrice euh, qui s'est quelque part supplantée. Sur la matrice euh, anté-colombienne. Euh, donc ça, c'est un premier élément qui permet, je dirais, de, de décentrer le lien euh, à l'Europe. Et donc les, le pan-africanisme, le pan le pan c'est l'ensemble de ces survivances culturelles africaines à l'extérieur du continent africain. Et donc il y a une définition d'abord purement anthropologique. Et euh, cette définition-là va s'incarner à travers des hommes et des femmes venus de différentes parties du continent africain, dans des situations de captivité. Qui au départ passaient par l'Europe et ensuite arrivaient dans les Amériques et qui vont se retrouver et euh, construire de nouvelles nations, de nouvelles identités et donc des identités qui regroupent la diversité des identités africaines mais dans les Amériques. L'élément euh, le plus marquant, on va dire, de leur de leur situation, de leur condition euh, sera la négritude, donc la peau noire, d'où le fait que au départ ce sera vu sous un panégrisme, c'est-à-dire toutes les personnes de peau noire dans les Amériques qui euh, Savent qu'elles sont pour la plupart ben venues euh, dans la cale du bateau. Et donc qu'elles ont ce destin commun qui est la traversée, euh, la traversée du passage, la traversée de l'Atlantique, avec toutes les douleurs que cela représente et toute la déchirure que cela comporte vis-à-vis -vis de la terre originelle. À partir euh, de euh, l'indépendance d'Haïti, 1er janvier 1804, euh, le panafricanisme devient quelque chose de politique puisqu'il y a un État. À l'extérieur du continent africain, qui est contrôlé, gouverné, dirigé par des hommes et des femmes nés en Afrique. Et cet État-là ne va pas reprendre le paradigme colonial, qui aurait voulu que Saint-Domingue ou Santo-Domingo soient rebaptisés Nouveau Bénin ou Nouveau Sénégal, mais va plutôt redonner à ce territoire de Saint-Domingue le nom originel qui est celui d'Haïti. Et donc on voit déjà une rupture avec le paradigme colonial, qui est qu'on s'empare de la terre des autres. Pour l'affaire sienne. Et donc, dans le contexte du panafricanisme, euh, on s'inscrit dans une approche qui est forcément anticoloniale, qui est anti-esclavagiste, qui est anticapitaliste, même si cela doit amener à détruire euh, la terre sur laquelle on est. Et donc, dans le cas de la révolution haïtienne, c'est une destruction de l'intégralité du système plantationnaire de Haïti. Ce qui fait qu'après, lorsque la France impose une dette euh, à Haïti, elle base sa dette sur l'économie esclavagiste. Sauf que Haïti, a rompu totalement avec cette économie esclavagiste qui en faisait, du temps de Saint-Domingue, la colonie la plus riche du Nouveau Monde. Donc, cette notion anticapitaliste, elle est fondamentale et elle existe dès le départ. On est sur la révolution haïtienne, période des grandes révolutions françaises, américaines, etc. Période également de l'essor des grands courants, libéralisme, socialisme, etc. Et donc, le panafricanisme naît aussi dans ce contexte-là. Dès le départ, Haïti est isolé. Haïti est cerné par la France qui veut la reconquérir par l'angleterre qui a dévisé sur saint-domingue depuis la jamaïque par l'espagne qui contrôlait donc une partie de l'île qui est aujourd'hui la république dominicaine et par les états-unis qui n'acceptent pas d'avoir à proximité de leur côte un territoire qui s'est libéré à l'issue d'une révolte d'esclaves victorieuse la première et la seule de l'histoire et au passage la première décolonisation de l'empire français et la première grande défaite de napoléon bonaparte qui abandonne les amériques pour se recentrer un peu plus tard sur l'Égypte et l'Algérie. Ensuite, sur la manière dont Haïti est cerné, ça va être le point de départ de cette fameuse communauté internationale. On va voir des États occidentaux qui, pour la première fois, dans leurs affaires tranquilles, sont gênés par un grain de sable. Quelqu'un qui, Un État qui les a tous vaincus, qui les a tous boutés hors de ses frontières. Et donc, il faut se coaliser pour faire en sorte que ce précédent n'arrive plus jamais. Et donc c'est ça en fait le concept de la dite communauté internationale. Ce sont quelques puissants qui se réunissent selon leurs propres lois, leurs propres règles et qui décident d'imposer à ceux qui osent résister à cet ordre dominant et bien leurs règles. Et donc la réponse à ça c'est la solidarité. Première solidarité, Simon Bolivar, l'être de la Jamaïque, et donc le président Pétion aide Simon Bolivar à libérer la Grande-Colombie, qui est aujourd'hui la Colombie, le Venezuela, l'Équateur. Donc ce lien, dès les années 1815, entre le panafricanisme, et le bolivarisme repris bien plus tard par hugo chavez également des tentatives de lien avec euh, le dahomey euh, un état d'où étaient originaires la plupart des africains de, de haïti pour faire en sorte que le dahomey qui est un état guerrier envoie une garde militaire à haïti. cet élément là va alerter les autorités américaines qui sont déjà confrontées sur le sol des états unis à des noirs libres qui réclament de plus en plus de droits et qui veulent aussi retourner en afrique. Et donc, ce projet de retour en Afrique va être récupéré par les milieux blancs pour aller créer une colonie qu'on va appeler le Liberia, dont la capitale sera Monrovia, en lien avec James Monroe, pour y rapatrier des Noirs libres des Amériques et tous les Noirs qui posaient un peu problème aux États-Unis. Et donc, le Liberia est créé en réponse coloniale à Haïti, qui est un projet fondamentalement décolonial. Mm -hmm. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce parallèle-là. Maintenant, tout au long du 19e siècle, qui est le siècle dit des abolitions, avec tous les paradoxes que cela recouvre, ces abolitions-là vont ouvrir la voie à quoi À la colonisation de l'Afrique, puisqu'il faut abolir l'esclavage pour mieux coloniser. Et l'esclavage et euh, la colonisation est une forme d'esclavage à, do à domicile. Et donc, les Africains à l'extérieur du continent africain, qui sont libérés de l'esclavage, sur des terres qui ne leur appartiennent pas, puisque les, les, les propriétaires sont indemnisés, euh, les béquets gardent la terre, etc., tout ça, donc on reste sur la terre des autres, voient leur terre d'origine, le continent africain, qui jusque-là était libre, certes soumis à l'esclavage, mais libre, se faire coloniser concrètement par les puissances coloniales. Et donc, ceux qui sont libres à l'extérieur du continent africain constatent que leur continent d'origine est occupé. Et donc, qu'il faut libérer ce continent d'origine, puisque si notre terre d'origine est occupée, où que l'on soit dans le monde, on ne peut pas être libre. Et je pense que cela rejoint d'autres luttes au niveau de différentes diasporas que l'on connaît bien. Et donc, on va commencer à penser des réseaux avec les différentes puissances africaines. Et la plus éminente à l'époque, celle qui va le mieux résister à la colonisation, est l'Éthiopie du roi euh, de Ras Ménélique II, avec la bataille et la victoire d'Adoua en 1896. Chose importante, l'Éthiopie est un pays qui a une très longue histoire, millénaire. C'est un pays qui a également une tradition religieuse et qui va incarner pour les Noirs du monde entier, en fait, le continent africain dans sa globalité et le lieu de rédemption. Et donc, en 1900, une conférence panafricaine est organisée avec le soutien de l'Éthiopie et de, de leaders haïtiens comme Benito Sylvain et Anténor Firmin, avec également un militant noir américain qui s'appelle William Dubois. Et à partir de 1900, eh bien... Euh, ces euh, individus euh, vont constituer un groupe social qui va prendre le nom de militants panafricains et donc lancer le mouvement panafricaniste euh, qui va se battre tout au long du XXe siècle contre euh, le racisme, euh, contre le colonialisme, contre le capitalisme, contre l'impérialisme et aujourd'hui bah, toujours contre le néocolonialisme. Donc il y aura différentes étapes à ce mouvement-là, une tradition de congrès euh, 19, 21, 23, 27, 45. Euh, des euh, figures euh, alternatives comme Marcus Garvey qui est un leader jamaïcain qui va créer un mouvement euh, qui s'appelle l'UNIA qui était très populaire et euh, très, euh, comment dire, suivi par, des, euh, par les masses et euh, à partir de 1945 un personnage qui fait la synthèse Kwame Krumah euh, qui est formé par deux autres militants qui s'appellent euh, George Padmore et Cedar James. Un mot sur Cedar James, c'est un personnage euh, très important parce qu'en 1938, il écrit euh, la, euh, dirait, euh, Les Jacobins Noirs, qui est en fait le premier livre d'histoire du panafricanisme, et qui retrace en fait la, la victoire de Toussaint-Louverture et l'indépendance d'Haïti vis-à-vis de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Il le fait en 1938 dans l'idée que c'est le moment où euh, les Africains, dans leur lutte contre le fascisme, contre le colonialisme et contre le nazisme, parce que les trois étaient mis au même niveau, ont besoin... D'exemples de victoires dans l'histoire pour, je dirais, mener la lutte. Et c'est très intéressant parce que euh, trois ans plus tôt, l'Éthiopie avait été agressée par Mussolini. Et euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, euh, ce euh, livre-là sera traduit euh, notamment par, par Pierre Naville, euh, qui est un militant euh, communiste, dans l'idée que cette histoire-là pourrait également servir aux euh, leaders euh, indépendantistes et nationalistes africains. Et donc dans les années 50, de panafricanisme s'engage dans la lutte contre le colonialisme qui concerne l'intégralité du continent africain. Donc Krouma va l'incarner en parallèle avec Nasser. Donc c'est l'époque où euh, Accra et euh, le Caire sont euh, les deux principales bases euh, des mouvements euh, de libération. Ils font la jonction avec Alger, avec Conakry, avec Dar es Salaam, pour bouter notamment donc, euh, au nord le colonialisme français, donc la guerre d'Algérie qui a un élément marquant. Euh, la question également donc, de l'assassinat de Patrice Lumumba, euh, qui aussi divise le continent africain entre pro-impérialiste et anti-impérialiste. Et euh, troisièmement, ben, la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique australe. Donc toutes ces luttes-là vont euh, se coaliser, vont recevoir du soutien extérieur de pays frères, notamment Cuba, donc Castro, qui envoie des soldats combattre euh, en Angola contre euh, l'armée sud-africaine. Et euh, en parallèle, on a euh, une structure, une institution qui se met en place, l'OUA, aujourd'hui l'Union africaine, qui, elle, va être en fait un espace, je dirais, de, de neutralisation du panafricanisme révolutionnaire, mmh. en imposant une logique d'État, c'est-à-dire une logique bourgeoise, euh, à des mouvements qui étaient des mouvements euh, subversifs, insurrectionnels et euh, beaucoup plus horizontaux. Donc il y a ces différents niveaux de panafricanisme. Euh, qui sont également traversés par toute une dimension culturelle, Bob Marley, Fela Kuti, Myriam Akeba, etc., euh, dont j'essaie de faire un peu la synthèse dans, dans, dans mon ouvrage. Alors euh, effectivement, là, vous avez fini sur les vocations euh, de l'OUA, donc euh, euh, l'organisation de l'unité africaine, euh, puis euh, en, ensuite de, de l'union africaine. Donc ces deux, euh, comment dire, ces deux tentatives en fait officielles, on va dire, par le haut, euh, de euh, euh, de vouloir, euh, comment dire, faire émerger euh, le projet panafricain, donc euh, avec peut-être aussi cette idée euh, d'États-Unis d'Afrique mm -hmm. sur le modèle des, des États-Unis euh, d'Amérique. Euh, vous montrez bien dans votre ouvrage comment ces, euh, ces deux institutions euh, échouent dans leur mission, euh, mais échouent aussi parce que dès leur euh, départ, en fait, euh, le, euh, le verre est dans la pomme. En fait. mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous, nous revenir un peu sur cette histoire euh, de ces organisations officielles, en fait, euh, qui mmh. n'ont fini que par être des espèces de syndicats, vous dites que c'est des syndicats de, syndicats de, de présidents, euh, souvent euh, illégitimes dans leur pays. Mmh. Alors, le vert, il est dans la pomme depuis 1919, le premier congrès panafricain qui a lieu à Paris, mmh. euh, où il y a une rupture très claire entre les militants noirs américains sur la ligne euh, caribéenne-afro-américaine euh, et euh, les militants dans l'esprit, on va dire, francophone. Euh, représentés par, par Blaise Diagne, euh, qui font que euh, le, la question du panafricanisme va être euh, traversée et bloquée par la manière dont le colonialisme s'est euh, positionné sur le continent africain. Euh, je fais un bon avance, cela va apparaître de manière assez flagrante euh, dans le contexte des, euh, de la décolonisation, euh, lorsque notamment en 1956, donc, la France met en place la loi cadre de fer, qui crée en fait dans l'Afrique occidentale française et dans l'Afrique équatoriale française, euh, des, euh, des logiques de territoire euh, qu'on va ensuite appeler des logiques de balkanisation, c'est-à-dire faire éclater les, les deux ensembles euh, coloniaux français euh, continentaux en euh, une multitude de territoires qui donnent naissance à des États qui ne sont pas viables. À cela s'ajoute le fait que euh, l'élite africaine euh, de cette époque-là va être euh, en partie retournée. Via un personnage phare qui est Félix Soufouet-Boigny, qui a été donc ministre d'État sous la Vème République, qui a été retourné donc par François Mitterrand en 1950, alors qu'il était à la tête d'un mouvement, le Rassemblement démocratique africain. Et donc à partir de ce moment-là, du côté des élites dites francophones, il va y avoir une scission entre ceux qui sont prêts à collaborer avec le système français parce qu'ils croient en la logique d'assimilation. Hein, pour eux, on peut être français et africain, puis surtout on est avant tout français, parce que dans le contexte du colonialisme français, la vie politique africaine se déroule au Palais Bourbon. Et donc on a une élite africaine qui est progressivement assimilée au mode de vie français, avec toutes les dérives que cela comporte. Hein. C'est-à-dire que euh, ce sont des députés qui, euh, qui prennent le train, le taxi, sans payer le taxi. Donc quand ils deviennent chefs d'État, ben, ils font pareil au niveau de leurs États. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des traditions fondamentalement kleptocratiques qui sont calqués sur un modèle français qui fonctionne de cette manière-là, à la différence des modèles anglo-saxons ou scandinaves. Donc on a une élite francophone qui se crée contre les intérêts du peuple. Et cette élite francophone va servir en fait de base pour noyauter le projet panafricain qui était porté par Kwame Nkrumah, qui visait effectivement à créer des États-Unis d'Afrique. Et donc l'enjeu pour la France sera, dans les années, on va dire, de, de 58 à 65, de créer le plus grand nombre possible d'organisations africaines autour des États francophones pour, euh, quelque part, euh, affaiblir au maximum tout projet d'unité globale. De telle sorte à ce que les États francophones préfèrent se retrouver dans le cadre de la francophonie ou préfèrent se retrouver dans le cadre de l'organisation de coopération africaine et malgache plutôt que dans le cadre de l'OUA. Et donc, il y a toujours eu ce jeu, je dirais, de, euh, comment dire, de neutraliser tout projet d'unité africaine en passant précisément euh, par des allégeances euh, néocoloniales. Euh, autre élément euh, particulier euh, il y avait je pense à cette époque-là des euh, divisions idéologiques très fortes entre euh, le groupe dit de brazzaville donc, qui réunissait donc les anciennes colonies françaises et le groupe de casablanca euh, autour notamment donc, du maroc du ghana de la guinée euh, de, de, de l'algérie et euh, du Mali, qui eux étaient, et de la République Arabe Unie, donc Nasser, qui eux étaient beaucoup plus sur une logique euh, de euh, l'indépendance comme euh, le premier pas euh, pour aller vers quelque chose d'autre, alors que les autres États voyaient plutôt l'indépendance comme une finalité et une fin en soi. Et donc en 63, à Addis Abeba, les deux groupes vont euh, être réunis, et euh, malheureusement nous sommes sur des traditions démocratiques, et ce sont toujours les plus nombreux qui l'emportent. Et la France, en ayant balkanisé son empire, euh, s'est euh, adjoint une flopée de voix euh, pour les différents votes, ce qui fait que ben, les, les États francophones étaient euh, en nombre supérieur aux autres et qu'ils ont quelque part imposé euh, la voix de Paris euh, dans ce débat-là. Et donc Kwame Nkrumah, qui euh, plaidait pour des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire un gouvernement continental avec une mise en commun de la diplomatie, euh, de la monnaie, de l'armée, de l'industrie, du développement, est mis en minorité. Il doit néanmoins accepter d'entrer dans ce projet-là, qui était contre ses intérêts, et à partir de là, le projet est neutralisé. Il est aussi neutralisé du fait que dans l'Union africaine aujourd'hui, on a l'intégralité des États du continent africain, or le panafricanisme est né dans la diaspora, et donc une institution qui se veut panafricaine ne peut pas se permettre de tenir dehors les États, les territoires, les populations, donc la diaspora, qui est à l'origine de ce panafricanisme-là. Et donc dans cette continentalité de l'institution, il y a également un culte aux États-nations qui fait que ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui contrôlent l'appareil. Et dans cette euh, continentalité, dans ce continentalisme-là, euh, il y a bien évidemment des incohérences, euh, puisque euh, des États qui n'ont pas du tout la même ligne idéologique, mais se retrouvent dans la même institution, alors qu'il faudrait plutôt euh, avancer sur des critères idéologiques de convergence et euh, grossir au fur et à mesure. Il y avait, selon moi, un péché d'orgueil de la part des, des dirigeants africains de l'époque, qui était de dire, le monde est divisé en deux, il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, donc les, 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 comment dire, des interprétations foireuses de Bandung en fait. Nous, on va faire l'unité, les autres sont divisés, les Européens sont divisés, le monde est divisé, mais nous, Africains, nous allons faire l'unité. Et donc, ils ont fait l'unité en parole, mais il n'y avait pas d'unité idéologique, et donc ça ne pouvait pas tenir. Et donc, et l'Est, et l'Ouest, et le Nord, ben, sont passés dans tous les sens pour diviser euh, les Africains entre eux et pour euh, imposer des, des barrières, des frontières qui, euh, qui n'ont pas de sens euh, en réalité. Mmh. Euh, alors, on n'a pas évoqué euh, tout à fait la, la délimitation de ce qu'on pourrait appeler l'identité euh, africaine, notamment parce que, enfin euh, euh, je veux dire, je le rappelle notamment... Parce que euh, quand on parle de, de continent africain, donc on pense à la géographie, là vous nous montrez que c'est plus compliqué que ça, puisque euh, la diaspora est partie intégrante, en fait, alors qu'elle ne, qu ne, ne vit pas au cœur de, de la, euh, du continent africain. Il, il y a aussi un autre, un autre problème que vous évoquez un peu en, en, en introduction c'est le découpage qui est fait, disons, dans le langage courant, en fait, hein, entre euh, l'Afrique du Nord. Et l'Afrique subsaharienne, donc dite euh, l'Afrique noire. Euh, il est vrai, et vous le relevez, que dans le langage courant, lorsque nous parlons d'Afrique, euh, nous ne pensons pas euh, à l'Afrique euh, du Sud-Nord, mm -hmm. qui est voilà, pensée comme euh, le Maghreb, comme, un, comme une entité à part, ou plutôt appartenant à ce qu'on pourrait appeler le monde arabe. Est-ce que, est que vous pourriez revenir sur euh, l'histoire de cette distinction, et, euh, et peut-être aussi de la fonction euh, politique qu'elle sert en fait alors oui, deux, deux, deux éléments, enfin au moins un élément euh, préliminaire. Le panafricanisme est né dans la diaspora du fait des populations noires déportées dans la diaspora. Après, il y a l'élément qui est lié au fait que ce sont des populations noires qui ont été en lien avec l'islam, dont une partie a été islamisée, et donc on a euh, un islam noir transplanté dans euh, les Amériques. Donc ça, je dirais, c'est pour dissocier la question religieuse de la question euh, ethnique. Euh, deuxièmement, euh, la question euh, du rôle de l'Afrique du Nord euh, va se poser euh, dans un contexte très précis, qui est celui de la guerre d'Algérie. Euh, C'est le positionnement vis-à-vis -vis de la guerre d'Algérie qui va, d'un point de vue politique, déterminer qui est pro-africain et qui est anti-africain. Et euh, la position de Kwame Krouma et la position de beaucoup d'autres, en hein, France Fanon, etc., tout ça était très clair. L'Algérie est africaine. Elle ne peut pas être un département français. L'Afrique et l'Europe, c'est deux choses distinctes, c'est deux choses différentes. Et donc, tant que euh, nous sommes confrontés à une Algérie française, euh, on est dans une situation où il y a une contradiction totale avec l'identité profondément africaine de l'Algérie. C'est un espace qui appartient à l'Afrique. Donc, du point de vue, je dirais, des, des luttes, euh, du point de vue des combats, du point de vue des engagements, je pense que euh, cette ligne euh, est très claire. Euh, maintenant, du point de vue de euh, la manière dont euh, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud vont être inclus dans le projet panafricaniste, euh, dans le cas de l'Afrique du Sud, ce sera un projet de lutte et de résistance contre le régime d'apartheid. Dans le cas de l'Afrique du Nord, ce sera à travers notamment les projets de communautés économiques régionales, notamment l'Union du Maghreb arabe qui ne fonctionne pas réellement, je pense qu'on peut le dire, et également la manière dont euh, un territoire très important et fondamental l'Égypte est constamment euh, extirpée de l'histoire et de la géographie et de la géopolitique africaine. Et donc c'est généralement par l'Égypte, euh, qui est, va être davantage liée à la géopolitique du Moyen-Orient, qu'on va progressivement voir un glissement, notamment dans euh, les différentes institutions euh, gouvernementales et différents ministères des Affaires étrangères, conduisant à la création du Middle East and North Africa. Hein, C'est-à-dire qu'on rattache toute cette bande nord du continent africain à la géopolitique du Moyen-Orient. Or, le Maroc a une géopolitique africaine, euh, l'Algérie a une géopolitique africaine, sahélienne, etc. Mais euh, c'est à partir de l'Égypte que beaucoup de choses se sont posées. Donc l'un des enjeux, en fait, c'est comment on réintègre l'Égypte dans la géopolitique africaine et comment également on interprète la question du canal de Suez, qui est la frontière officielle entre l'Afrique et l'Asie, mais qui est en soi une frontière artificielle. C'est une frontière créée par le travail humain par le capital par le labeur. donc se pose effectivement la question des limites du continent africain. lorsqu'on parle du yémen par exemple on a parfois tendance à y voir aussi une dimension géopolitique africaine euh, parce qu'on est euh, sur la mer rouge on est au niveau de l'océan indien etc. tout ça. donc je pense qu'il faut vraiment dissocier la dimension euh, effectivement euh, historique euh, du panafricanisme qui est liée au fait que ce sont des africains noirs déportés qui sont à l'origine de ce mouvement là Hein, donc, ça, c'est un élément euh, important. Euh, la question seconde de la décolonisation, qui renvoie fondamentalement à la question euh, de l'Algérie, qui est africaine, qui ne saurait être française, au nord, et au sud, la question donc, de la lutte contre le régime d'apartheid, euh, puisque euh, le projet du régime d'apartheid était de remonter depuis l'Afrique du Sud et d'expliquer que l'Afrique était le continent de l'homme blanc. Donc, c'est toute la problématique d'écolonisation de peuplement. Et enfin, troisième élément, la question de l'Égypte, qui est rattachée donc à la géopolitique du Moyen-Orient, dans les imaginaires et même plus que dans les imaginaires. Alors que, en fait, l'Égypte et on le voit de manière assez intéressante dans la problématique autour du barrage sur le Nil que met en place l'Éthiopie, l'Égypte est beaucoup plus dépendante de la vallée du Nil que de la géopolitique du Moyen-Orient. C'est le Nil qui est, on va dire, l'axe structurant de l'Égypte. Et donc, c'est une géopolitique qui est en lien avec le Soudan, éclaté aujourd'hui, qui est en lien avec l'Éthiopie et qui doit, pour moi, se recentrer, se réintégrer dans sa dimension africaine. Donc il y a ces différents éléments, je pense, qui me semblent importants. Euh, maintenant, du point de vue euh, de, la, euh, de la stratégie ou de la géostratégie, euh, il ne faut évidemment pas faire l'impasse sur l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord fait partie euh, des enjeux euh, parce que c'est aussi euh, un espace de, de recolonisation. Parce qu'entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il y a euh, toute une bande sahélienne qui est occupée euh, par différentes forces impérialistes, et que euh, cet élément-là ben, doit, doit être pris en compte dans, dans les solidarités, euh, quelles qu'elles soient, et également euh, dans les critiques concernant notamment la négrophobie euh, qui est présente en Afrique du Nord. Donc tout ça, ce sont des éléments, euh, je pense, qui doivent être euh, abordés. Euh, de la manière la, la plus euh, la plus claire possible, la plus euh, la plus la plus sérieuse possible, et euh, sans tomber non plus, euh, je dirais, dans des euh, dans des querelles stériles. Mm -hmm. voilà, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui construire quelque chose. Il faut délimiter effectivement euh, les enjeux euh, lorsque le Maroc sort de l'OUA parce que euh, Thomas Sankara s'est rendu au Sahara occidental euh, et que le Maroc réintègre l'Union africaine. Euh, Bon, cela va de soi, le Maroc appartient à l'Afrique, mais on peut se demander, on peut s'interroger, en tout cas on peut être euh, suspicieux sur certains projets, euh, pas nécessairement portés par le Maroc en tant que tel, mais euh, dont le Maroc pourrait être en fait un bras droit. Voilà. D'accord. Euh, <laughs> non, parce que vous avez évoqué aussi l'Égypte, le, le cas de, de, de l'Égypte comme, un, comme un, un élément crucial. L'Égypte aussi... Euh, euh, dont l'une des particularités, c'est d'avoir été euh, le berceau du, de, de cet autre courant révolutionnaire qui est le panarabisme, mmh. euh, et qui, euh, de la même façon que le panafricanisme, le, le pan a pour ambition en fait, de, de mettre à mal l'hégémonie euh, occidentale, de mettre à mal l'impérialisme. Alors, comment est-ce que vous articulez ces deux grands euh, mouvements euh, et, et quel rapport, en fait, ils entretiennent euh, l'un mmh. et l'autre alors, pour les, les panafricanistes euh, durs, purs, euh, authentiques, comme on dit, les kamites, ils considèrent que l'Égypte s'inscrit aussi dans l'afrocentricité, donc euh, la civilisation négro-égyptienne, euh, notamment autour des travaux de Cher Ça, c'est un premier élément, je pense, important à souligner. Euh, sur la question, effectivement, des liens entre panafricanisme et panarabisme, euh, il y a effectivement la figure de, de Nasser, euh, qui, est, euh, qui est centrale, euh, et de son rapport avec Kruma, euh, qui était à la fois un rapport de complémentarité et de rivalité, euh, rapport sur lequel d'autres leaders nord-africains ont tenté de, comment dire, de mettre des grains de sable dans la machine, je pense notamment à Bourguiba, euh, qui euh, avait davantage soutenu Kruma contre Nasser parce que justement il craignait une forme d'hégémonie euh, nasérienne en Afrique du Nord à, un certain, à une certaine époque. Donc je pense qu'il faut vraiment dissocier effectivement les, les, les enjeux, euh, euh, des enjeux régionaux, des enjeux continentaux. Euh, maintenant, sur euh, la manière dont euh, la question du panarabisme peut se poser en lien avec celle du panafricanisme, ben, je dirais qu'il y a des parallèles, il y a des parallèles, à savoir qu'on est euh, confronté euh, à des États, euh, des régimes qui ne sont pas nécessairement en phase avec les aspirations des populations et des sociétés dans les deux cas. Et euh, on est aussi confronté à des institutions, que ce soit euh, l'Union africaine ou la Ligue arabe ou l'Organisation de coopération islamique, etc., qui sont sur des idéologies souvent relativement, voire totalement collaborationnistes avec d'autres formes d'impérialisme. Donc euh, pour moi, on est confronté à des courants euh, historiques. Euh, politiques et idéologiques qui sont en grande partie euh, décentrées par, euh, par rapport à leur mission. Donc je pense que la notion de mission, elle est, euh, elle est à reprendre en main. Euh, je pense également qu'il est important de travailler sur les pays pivots de cette question d'identité africaine, d'identité arabe. Je pense notamment euh, à la Mauritanie, je pense évidemment également au Soudan, euh, qui pour moi est vraiment central dans tous ces enjeux-là. Et, euh, le cas de la sécession du, euh, du Soudan est euh, en soi assez, euh, assez problématique, euh, puisqu'on est plutôt en tant que panarcanistes dans des logiques de, de fusion, d'intégration. Euh, ensuite, il y a aussi tout un travail, je pense, de, de généalogie et de connaissances historiques dans les deux cas qui se, qui se posent, et euh, également de réflexion sur euh, bah, l'une des dernières expériences de synthèse qui a été celle de Kadhafi, euh, qui est euh, souvent présenté comme celui qui aurait fait un peu euh, euh, qui s'est mis dans la succession, dans la continuité de Nasser, qui reprend le projet de Kruma, mais dans un contexte euh, et dans des modalités qui, euh, pour moi, étaient euh, beaucoup trop euh, problématiques euh, en tant que telles. Euh, donc, pour moi, on est face à deux projets. Un qui a très clairement, je dirais, euh, une dimension assez euh, populaire et contestataire, du fait précisément de l'étendue et de la dispersion. Euh, des diasporas noires, donc le panafricanisme, et un autre, pour moi, le panarabisme, qui euh, s'inscrit davantage, euh, ou qui pourrait s'inscrire davantage euh, en confrontation directe euh, avec euh, le système impérialiste, puisque là, on est face à des États, des populations euh, qui sont directement bombardées et euh, qui sont euh, directement, euh, euh, comment dire, visées euh, dans leur euh, dans leur identité et, euh, et également dans leur euh, comment dire dans leur euh, enfin qui se retrouvent divisés euh, par rapport à différents euh, champs d'intervention des forces impérialistes si on, on regarde ce qui se passe au niveau du, du Moyen-Orient notamment euh, après sur sur la question je dirais du, du support africain de ces deux projets je pense qu'il est à peu près établi que la majorité des populations dites arabes, parce qu'après il y a aussi ce débat entre qui arabe, berbère, etc., mais en tout cas se trouve sur le continent africain, euh, n'a pas vocation à quitter le continent africain. Euh, donc il faut nécessairement travailler euh, sur les points de contact, sur les points de convergence, et surtout, je dirais, sur les, les points de résistance qui peuvent être, euh, qui peuvent être profitables. Mmh. Oui, donc euh, vous venez d'évoquer euh, Kadhafi, et notamment euh, en termes, euh, vous dites qu'il euh, a, il a une, une, une démarche qui, euh, que vous qualifiez de problématique. Est-ce que vous pourriez euh, développer euh, cette... Euh... Bon, Kadhafi avait des, avait des moyens, évidemment, donc des euh, moyens de la Libye, des moyens économiques et financiers, toute une diplomatie euh, assez, euh, assez intéressante parce que autonome quelque part qui pesait sur pas mal d'États africains, notamment de la bande saïdienne. Donc il avait, je dirais, des États clients euh, dans le reste du continent africain, des présidents qui lui étaient, qui lui étaient redevables. Euh, et donc il y avait une dimension un peu trop, je dirais, hégémonique euh, dans son approche euh, du projet euh, continental africain. Et euh, également une approche quand même très libérale, voire néolibérale, euh, dans les différents projets, dans la manière dont ils étaient pensés qui peut euh, interpeller. Euh, maintenant, il y a eu des, des réalisations, des projets de financement qui étaient, je pense, tout à fait euh, significatifs. Euh, donc sa compagnie aérienne, Africa, qui, euh, que j'ai utilisée plein de fois, je passais pas mal de temps à Tripoli, parce que, bien évidemment, elle permettait euh, de concurrencer très largement euh, Air France et, et, et Lufthansa. Euh, la, la question également donc, euh, du projet donc, euh, de construction de satellites pour euh, réduire les frais de communication euh, depuis le continent africain et euh, en direction du continent africain, puisque ce sont des satellites euh, européens qui sont loués par, euh, par les États africains pour assurer leur communication. Donc il y avait vraiment cette idée d'autonomiser l'Afrique sur, euh, sur cet aspect-là. Euh, donc le projet RASCOM qui date des années 90. Et qui, pour moi, est très important parce que la, la souveraineté technologique, la souveraineté numérique est fondamentale. Il y avait également donc, le projet d'une monnaie, une monnaie continentale, le dinar or, qui euh, intervenait dans un contexte de crise et de guerre monétaire, lorsque Kadhafi a été assassiné et que la Libye a été bombardée, et qui s'appuyait notamment sur les réserves d'or de la Libye et d'un certain nombre d'autres États africains. Et euh, il y avait aussi, euh, de la part de Kadhafi, une volonté aussi de s'appuyer sur les, les chefs et les rois traditionnels d'Afrique euh, pour, quelque part, euh, légitimer euh, un, pouvoir, euh, un pouvoir populaire. Donc, pour moi, je pense qu'il a voulu aller peut-être euh, trop vite sans réellement s'appuyer sur les, les forces vives et les forces sociales africaines. Et euh, sans tenir compte euh, des espaces de débat qu'il est nécessaire d'avoir, et en ayant parfois des positions très caricaturales sur euh, la lecture du continent africain. Alors, il a pris des positions euh, anti-africaines, euh, par exemple sur le cas du Nigeria. Quand le Nigeria était, euh, était en crise, il expliquait qu'il suffisait juste de couper le Nigeria en deux, les chrétiens au sud, les musulmans au nord. Euh, ça, ça a été l'une de ses positions euh, parmi ses déclarations, parfois l'emporte-pièce. Euh, donc, je dirais que c'est un personnage euh, euh, à nous, c'est un personnage de l'histoire africaine, c'est un personnage qui nous appartient. Euh, donc c'est à nous vraiment d'étudier euh, son parcours, son règne, ses erreurs, ses échecs, et euh, non pas nécessairement ben, aux occidentaux, aux américains, d'en faire, euh, je dirais, leur, euh, comment dire, leur, euh, leur, leur, leur diable, leur bête noire. Mm -hmm. euh, je pense que c'est d'autant plus important que euh, je ne lui pardonnerai personnellement jamais hein, d'avoir financé la campagne de Sarkozy euh, et de s'être rangé euh, dans ce rôle-là comme le font beaucoup d'autres chefs d'État africains. Euh, je pense qu'on ne peut pas se dire panafricaniste quand on finance la campagne d'un escroc comme Sarkozy et euh, quand on participe aussi à d'autres types d'opérations qui, euh, éthiquement, sont, sont réellement problématiques. Euh, très bien. Vous, vous, vous avez aussi évoqué tout à l'heure euh, la question de la négrophobie des, des, de l'Afrique du Nord. Mm -hmm. euh, alors, c'est effectivement, euh, je pense, euh, l'un des, euh, des points euh, d'achoppement aussi, où le, qui, qui, qui rend compliqué et difficile la question sans doute de l'unification, euh, de l'unité euh, du continent, mm -hmm. euh, du continent euh, africain. Euh, Peut-être que euh, vous pourriez aussi revenir sur la manière dont... Euh, L'Afrique du Nord devient aussi, est devenue aujourd'hui comme une espèce de gendarme, en fait, les gendarmes de l'Europe. En fait, c'est comme une sous-traitance. Euh, L'Europe a sous-traité, en fait, la, la question de la migration, notamment, euh, et que maintenant, c'est le sale boulot est entre les mains de, des, des dirigeants. Euh, euh, Marocains euh, ou, mmh. euh, ou encore algériens. Mmh. Oui, tout à fait. Je pense que le cas de la Libye, si on continue dessus, peut être très intéressant. Kadhafi, du temps de son vivant, a expliqué bien que euh, si on l'embêtait trop, il allait euh, lâcher des millions d'Africains sur l'Europe. Je trouve que c'est très, ouais. très humiliant pour nous de voir un dirigeant africain dire ça euh, de cette manière-là, sous la forme d'un chantage. Mmh. Et effectivement, Kadhafi a été, euh, a été assassiné. Et euh, par celui qui considérait en partie aussi comme son fils, un hein, Barack Obama, mais c'est encore une autre histoire. Et euh, au final, euh, la Libye est devenu euh, un, chaos, euh, un chaos indescriptible, où effectivement les euh, Africains noirs se font prendre dans des réseaux euh, de traite qui sont pires que ce qui existait auparavant, parce que ça existait déjà auparavant, euh, se retrouve également. Euh, comment dire euh, confrontés euh, à des milices et, euh, qui euh, visiblement sont euh, instruites ou construites sur la base d'une forme de nettoyage ethnique. Euh, donc des charniers, des prisons, enfin beaucoup de lieux ont été, ont été visiblement découverts. Euh, et donc effectivement la libye euh, dans le contexte de l'agression de l'otan puis dans le contexte de la reconstruction de la libye cette question migratoire est devenue centrale. Elle a beaucoup agité euh, l'Europe. Euh, le cas également, effectivement, du Maroc, où là, c'est tout le contraire de la Libye. On est dans une stabilité, euh, c'est stable. Hein. C'est stable, mais c'est tellement stable, effectivement, que c'est euh, le bon cheval sur lequel miser pour l'Europe, pour faire en sorte que euh, le Maroc fasse le sale boulot. Euh, parce que ça permet, euh, effectivement, euh, aux Noirs de s'opposer euh, de, de aux Arabes qui font le sale boulot de ceux qui se cachent derrière, dans le contexte, notamment, de la gestion de Ceuta et Melilla et du passage au niveau de Gibraltar. On sait que c'est une directive européenne euh, qui a été envoyée aux autorités marocaines en leur disant que euh, nous ne comprenons pas qu'il y ait euh, parmi les Africains qui arrivent en Espagne euh, ces nationalités-là aussi, aussi bien, autant représentées. Et euh, nous vous demandons euh, de mettre en place euh, des politiques de visa pour que les subsahariens qui viennent à Casablanca en avion sans visa et qui continuent ensuite pour passer en Europe, mais se voient adjoindre le visa pour venir au Maroc. Donc la question des, des, des visas intra-africains, elle est liée tout simplement aux pressions qui sont posées au niveau de l'Union européenne à travers le programme de Frontex, à travers l'externalisation des frontières, à travers que aujourd'hui jusqu'à Niamey, euh, on a un, 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 un spot de, de l'OFPRA qui travaille précisément sur ces questions-là. Et donc, euh, on est en train vraiment de, de faire, euh, euh, comment dire, euh, d'extérioriser ben, toute la gestion de, de l'immigration euh, et euh, des migrations donc, euh, aux États, euh, États nord-africains et aux États sahéliens. Et ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est aussi un élément qui peut euh, effectivement renforcer la négrophobie. Du fait que ben, des populations noires subsahariennes qui d'habitude avaient euh, pour principal euh, enjeu l'Afrique du Nord comme un point d'étape et donc gagner l'Europe ben, se retrouvent à se sédentariser dans une Afrique du Nord qui effectivement, euh, comme des médias racistes nord-africains le montrent, ben, devient effectivement de plus en plus noire. Ça fait partie des transformations de cette Afrique du Nord qui est liée aussi à la manière dont elle est utilisée dans le schéma de la gestion des euh, des, des, euh, des, des éléments migratoires. donc euh, je pense que il y a un travail d'information euh, générale à faire sur ce type de politique là. il euh, y a aussi un courage que les gouvernements n'ont pas, que ce soit les gouvernements d'afrique du nord ou du reste du continent africain, vis-à-vis -vis euh, de la problématique migratoire. Euh, il y a aussi euh, la nécessité bah, de faire attention euh, à la manière dont euh, on, euh, on va parfois dans des généralisations euh, qui pour moi méritent peut-être davantage, euh, davantage de, de connaissances. Il y a beaucoup d'ignorance dans les discours qui sont faits ici ou là euh, sur les questions d'identité, sur les questions d'africanité, sur les questions de, de nationalité, de citoyenneté, euh, puisque bien évidemment dans ces euh, pays d'Afrique du Nord, il existe aussi une population euh, autochtone noire. Euh, qui, euh, qui est là aussi depuis, euh, depuis très longtemps mais qui est euh, parfois souvent bah, justement invisibilisé euh, à ce niveau-là. Alors, euh, c'est l'un des, des, bien sûr, euh, comment dire, des fils directeurs, c'est euh, dans votre tra travail. Euh, L'histoire euh, le montre que les indépendances n'ont pas mis fin donc à la domination occidentale euh, au sein des pays, euh, des pays africains. On parle aujourd'hui de, euh, de néocolonialisme. On parle même de, de, de France Afrique. Donc, euh, à la faveur d'une contre-révolution euh, coloniale. Euh, vous dites notamment que l'un des, des visages aujourd'hui euh, de la domination euh, euh, prend une forme euh, extrêmement comment dire, économique, euh, euh, que la libération n'a pas, pas été euh, poussée à son terme, notamment parce que euh, les pays euh, africains, les, les économies euh, des pays africains ne sont pas sortis de ce système de ce grand système euh, appelé le système capitaliste et que c'est l'un des euh, l'une de comment dire des, des derniers euh, euh, relents en fait de euh, du colonialisme oui tout à fait de toute manière le colonialisme s'est euh, construit avec le capitalisme et le racisme donc euh, je pense que lorsqu'on a euh, pris entre guillemets des indépendances on a euh, enlevé un des on va dire le pilier euh, juridique et politique, tout en gardant évidemment des, des traces, mais le pilier économique euh, de la domination est, euh, est resté euh, en grande partie euh, du fait que les euh, États africains n'ont pas fait de rupture ou de déconnexion, comme disait Samir Amin, euh, avec ce système capitaliste. Ils n'ont pas fait, euh, je dirais, un réajustement euh, de leur modèle ou de leur projet de développement économique. Ils n'ont pas nécessairement défini eux-mêmes leur concept de développement, leur politique de développement. Et euh, donc on est resté dans des, dans des économies euh, de type rentière, euh, dans des économies euh, qui euh, produisent, je dirais, très peu, euh, peu d'emplois, donc très peu d'industrialisation, euh, et euh, dans quelque chose qui est en partie lié au projet colonial, qui était que ne se développe jamais un capitalisme africain. Et que par conséquent, dès lors qu'il n'y a pas de capitalisme africain, il ne saurait y avoir une véritable bourgeoisie africaine dans le sens euh, classique du terme. Mmh. Euh, des capitaines d'industrie, des gens qui soutiennent une politique nationaliste, indépendantiste, souverainiste. Et donc on s'est retrouvé euh, à la tête de nos États avec euh, soit des, euh, des, des intellectuels euh, cooptés euh, à la tête des États, mais qui ne se sont souciés ni de la question militaire, ni de la question économique, euh, soit avec euh, des, euh, des militaires. Qui vont mettre en avant ben, tout ce système des bourgeoisies compradors que l'on connaît, euh, qui, vont, euh, liés, euh, 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 qui vont davantage être liés au système économique extraverti, qui vont davantage être liés à l'économie mondiale plutôt qu'à l'économie locale. Et donc, en parallèle, donc à ces euh, élites économiques africaines euh, qui ont des intérêts euh, opposés à ceux des populations, et eh bien les populations vont développer des secteurs informels qui sont aujourd'hui la véritable économie de nos États. La, la plupart des, euh, des Africains vivent justement de ce secteur de l'informel que les États, mais également le, le FMI et la Banque mondiale, cherchent à rationaliser, à faire entrer le plus possible dans les indicateurs classiques économiques. Et donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est repenser tout simplement, je dirais, les, les critères économiques tels qu'ils sont, euh, en fonction des spécificités africaines, plutôt que d'essayer... De faire entrer ces spécificités africaines dans des cases qui ont été euh, élaborées euh, à, à, à Washington ou, euh, ou à Genève ou à, ou à Londres. Mm -hmm. euh, vous évoquez également euh, la question euh, de l'État d'Israël mm -hmm. euh, au sein du continent, du continent africain, notamment de la politique euh, menée par l'État d'Israël, qui est une politique que vous qualifiez d'offensive, euh, parce que Israël, donc en fait, tirerait euh, des, euh, des intérêts économiques des conflits. Euh, dans, dans la région, et que même elle participe, euh, que l'État d'Israël participe donc de la déstabilisation euh, de, la, de la région. Non, la particularité du continent africain, c'est que tout le monde y est. Oui. Et euh, lorsque vous avez un adversaire qui y est, il vaut mieux y être. Et euh, depuis très longtemps, euh, très longtemps, euh, via notamment Yasser Arafat, qui était un très grand soutien des, des luttes de libération euh, africaines, euh, la Palestine, l'autorité palestinienne, LP fait partie on va dire, du dispositif panafricain. Mm. Euh, Yasser Arafat a passé beaucoup de temps en Afrique. – Donc, est-ce est qu'on pourrait dire que la question palestinienne est une question africaine ou C'est une question africaine et panafricaine, puisque le, le président de l'autorité est constamment invité à chaque sommet de, de, de l'OUA et de l'Union africaine, euh, est souvent invité à prendre la parole. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui ne plaît absolument pas à l'État d'Israël, puisque cela signifie que du point de vue africain ou panafricain, nous reconnaissons totalement le peuple palestinien dans son bon droit, et que nous nous rangeons en tant que militants panafricanistes dans la lignée de Thomas Sankara, qui évoquait cette question de colonisation dans son discours à la tribune des Nations Unies. Donc on s'inscrit très clairement dans cette lignée. Euh, maintenant, il y a effectivement un, un terrain de jeu, des terrains d'affrontement qui ont lieu sur le continent africain. Euh, Israël se présente comme une puissance, alors que c'est un territoire qui est tenu du bout du bras par, par d'autres intérêts. Et euh, cet élément-là lui permet, lui permet, je dirais, de projeter sur le continent africain euh, une sorte d'impérialisme qui fait croire à l'Afrique qu'on est face à une puissance. C'est-à-dire qu'Israël s'engage un peu comme les autres grandes puissances dans l'aide à l'Afrique, dans le développement de l'Afrique, etc. Alors qu'on sait que euh, la survie de cet État-là passe en soi par une politique de colonisation. Donc comment euh, un État dont la survie s'inscrit dans une logique de colonisation peut prétendre euh, apporter de la solidarité, de l'aide ou du développement à d'autres États. Donc il y a tout un récit qui se construit à ce niveau-là et euh, il y a toute une, comment dire, toute une offensive. Vis-à-vis euh, -vis, euh, du soutien des autres États africains vis-à-vis -vis, euh, de la Palestine, qui est menée euh, par euh, les autorités israéliennes. Donc Netanyahou, qui a fait un certain nombre de tournées, qui avance petit à petit euh, à trouver des, des alliés et à ouvrir euh, de plus en plus d'ambassades sur le continent africain, euh, qui sont également liées donc, aux intérêts euh, technologiques et industriels euh, israéliens. Donc toute une production d'outils de sécurité qui ont été testés euh, sur le peuple palestinien et que l'on va euh, mettre à disposition d'un certain nombre de régimes africains euh, dans leur pratique de contrôle des populations. Donc, on revient à des logiques que l'on pensait euh, avoir, euh, avec lesquelles on pensait avoir fini euh, du temps où euh, on combattait l'apartheid et euh, l'apartheid sud-africain et ses liens euh, avec, euh, avec Israël. Donc, tous ces éléments là. Euh, Auxquels euh, on ajoute euh, bien évidemment donc euh, des euh, différents réseaux d'influence euh, font que le continent africain est euh, très clairement un terrain de bataille euh, euh, sur cette question-là, comme sur d'autres questions. On pourrait citer le cas du, du Japon qui entre sur le sol africain parce que la Chine y est et que la Chine et le Japon c'est un gros contentieux. Euh, donc, le problème que nous avons oui, en Afrique, c'est que. C'est un terrain de bataille pour les, oui, les leaderships. Exactement, le c'est-à-dire ce que tous les leaderships doivent être présents. Si, oui. votre, si votre ennemi est en Afrique, ben, il faut que vous y soyez aussi. Et euh, dans le cas euh, d'Israël, ben, l'un des, enfin, des enjeux assez stratégiques, ou en tout cas le plus diplomatique possible, c'est aussi le cas de l'Éthiopie, qui est un peu la base tournante de beaucoup de choses, mm -hmm. euh, parce que c'est le siège de, de l'Union africaine parce que c'est un pays qui a aussi une histoire particulière avec Israël, parce que c'est aussi l'une des vitrines utilisées par l'État israélien pour faire croire qu'il n'est pas euh, négrophobe, alors qu'il l'est fondamentalement dans sa politique, parce que également la négrophobie en Afrique du Nord est un élément utilisé par Israël pour montrer, regardez, les Arabes n'aiment pas les Noirs, mais nous, nous vous aimons. Donc ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels ben, il faut faire attention. Parce qu'en euh, tant qu'Africains, en tant que noir, on est extrêmement courtisé, rarement dans nos intérêts à nous, mais euh, on a quelque part les moyens de faire euh, basculer des choses d'un côté ou de l'autre. Mm -hmm. D'où euh, l'intérêt de mettre en avant, euh, comme pourrait le dire Norman Najari, la question de la, de la dignité, euh, de la dignité noire et euh, bah, de, ne pas, euh, de ne pas nous prendre, en tout cas en tant que mouvement, en tant qu'organisation, euh, pour des imbéciles, même si souvent malheureusement nos dirigeants... Euh, Prête le flanc euh, à n'importe quelle supercherie, euh, comme dans le cas de la tentative euh, de sommet euh, Israël-Afrique que euh, le Togo euh, de Fort Iyadema, euh, le fils d'un très grand ami de la France de Jacques Chirac, euh, voulait, euh, voulait organiser et qui a été euh, finalement annulé euh, grâce aussi à des mobilisations euh, panafricaines. Euh, alors vous venez de... Parler du lien euh, particulier et historique euh, qui lie euh, l'Éthiopie à Israël, est-ce que vous, vous pourriez développer Alors, Il y a un lien, on va dire, euh, actuel, contemporain, puis il y a un lien beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancien, beaucoup plus euh, comment dire, euh, historiographique, euh, qui est lié au fait que euh, pendant les, le temps de l'esclavage, pendant les périodes de captivité, euh, la lecture de la bible protestante, euh, notamment du point de vue des, euh, des, des noirs de jamaïque et des états-unis, euh, a amené en fait à développer un courant religieux qu'on appelle l'éthiopianisme, euh, qui considérait dès le départ en fait que le véritable peuple élu est le peuple noir et, et non pas le peuple juif et que euh, la, la rédemption de ce peuple noir passe par un retour en afrique. ce qui fait qu'avant même euh, l'apparition du, du sionisme, euh, il y avait déjà euh, des réflexions euh, autour d'une forme, entre guillemets, de sionisme noir. Euh, C'est un premier élément, je pense, très important, parce que cette question du retour, cette question de la terre, cette question des parallèles euh, entre juifs et noirs, elle fait aussi couler euh, beaucoup d'encre. Euh, je fais un saut en avant. Euh, dans les années euh, 80, euh, l'Éthiopie euh, se trouve dans une situation euh, assez, euh, assez complexe, assez dramatique. On est dans des périodes... Euh, de troubles politiques, sociaux et euh, économiques. Et euh, l'État d'Israël va mener une série d'opérations, euh, un peu coup de poing, pour en fait euh, faire, euh, alors, entre guillemets, rapatrier euh, tout un groupe euh, d'Éthiopiens, les Falachas, euh, donc des Juifs éthiopiens, euh, considérés comme la tribu perdue d'Israël, pour les rapatrier donc, euh, en Israël. Et c'est une opération euh, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, euh, divisée en trois parties. Qui a beaucoup servi en fait à euh, comment dire la, la communication euh, de l'État d'Israël qui vient en aide aux Africains par rapport à l'Éthiopie, la famine, etc. En plus, c'est des Juifs, puis ils sont noirs, mais on voit pas les couleurs, etc. Donc, ça a beaucoup servi en fait à l'appareil de communication euh, de l'État juif, et ça a créé aussi euh, en Israël ben, toute une communauté noire. Il y avait déjà des Afro-Palestiniens, bien évidemment, qui étaient déjà ségrégés, discriminés, etc., du côté palestinien. Mais toute une communauté euh, noire juive euh, qui va euh, être difficilement intégrée dans cette politique, puisque de toute manière, une politique coloniale ne peut pas intégrer, elle ne peut que euh, ségréger ou euh, désagréger. Et euh, les enfants euh, de ceux qui ont été euh, déportés, euh, enfin rapatriés à l'époque, euh, vont commencer dans les années euh, 2000 à émettre bah, de nouvelles revendications, euh, à contester de plus en plus la manière dont ils sont traités, et euh, donc à tenter bah, d'imposer euh, en Israël une question noire qui est totalement, euh, qui est totalement invisibilisée, euh, parce qu'elle s'inscrit bah, dans l'invisibilisation des problèmes euh, liés euh, tout simplement euh, au racisme et au colonialisme. Euh, en parallèle, euh, les relations diplomatiques entre euh, Éthiopie et Israël ont toujours été des relations assez particulières, du fait justement de cette histoire millénaire et des différents éléments religieux et culturels. Et euh, Israël a donc tenté, dans les années 2000, 2010, donc dans cette décennie passée, d'avoir un statut d'observateur à l'Union africaine. Et donc il y a eu toute une levée de boucliers pour que ce statut-là ne soit pas accordé. Mais néanmoins, il y a euh, autour d'Addis Abeba une intense euh, activité euh, diplomatique euh, sioniste, euh, j'irais même franco-israélienne, puisque une grande partie en fait passe notamment par des, des, réseaux, euh, par des réseaux francophones. Euh, sachant qu'avoir euh, le soutien des États africains francophones euh, bah, permet d'avoir un soutien euh, non négligeable au niveau de, de l'Union africaine. Donc ce sont des questions qui sont euh, entremêlées. Euh, et euh, ce sont des questions euh, où, euh, je dirais, le, le, le terrain central euh, est euh, donc à Addis Abeba, en Éthiopie, euh, mais il y a un certain nombre de terrains périphériques tout autour, euh, notamment euh, au Soudan jusqu'à un certain temps, euh, également en Érythrée, puisque les relations de l'Éthiopie avec ses voisins euh, ont été, euh, bien évidemment, court-circuitées par Israël, puisque Israël a comme ennemi le Soudan. Et euh, donc, l'intérêt euh, d'Israël, c'est de soutenir un certain nombre de mouvements euh, de rébellion euh, au Soudan et en Ouganda, euh, ou même dans la Corne de l'Afrique plus généralement, euh, qui peuvent affaiblir euh, les régimes présentés comme pro-arabes ou pro-islamistes, et faire en sorte qu'il y ait des basculements qui lui permettent euh, d'avoir des euh, régimes plus euh, favorables qui arrivent au pouvoir euh, par rapport à sa géopolitique à lui. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a plusieurs échelles. Donc, chaque acteur. International a, euh, je dirais, sa carte géopolitique en Afrique et avance sur la base de cette carte-là. Euh, le problème, euh, c'est que les États africains sont beaucoup trop euh, attentistes et récipiendaires des desiderata des autres plutôt que d'être en capacité d'imposer leur propre choix. Puisqu'il y a bien évidemment euh, un certain nombre de condamnations qui sont faites à l'État d'Israël qui devraient être mises sur la table. Euh, par rapport euh, à euh, la manière dont euh, cet État euh, avance aujourd'hui euh, mmh. en Afrique. Alors justement, quel bilan euh, vous tirez, euh, quelles leçons en fait euh, vous tirez de cette longue histoire donc, du, du, du panafricanisme qui est faite effectivement de, de, de très de grandes victoires, de belles victoires, euh, mais aussi euh, malheureusement d'échecs euh, qui empêchent aujourd'hui euh, l'émergence de, ce, de, de cette Afrique libre, euh, unie – Oui, alors les, les échecs du panafricanisme, je pense que ce sont juste des, des essais euh, qu'il euh, faut euh, réactualiser. Euh, il y a eu des victoires, euh, le problème c'est qu'on a trop tendance à crier victoire trop vite, c'est ce que je rappelle un peu en, en conclusion et en épilogue. Euh, toute victoire appelle à une réaction de ceux qui, euh, qui ont été vaincus, euh, et euh, je pense que cette notion de, de victoire elle est toujours, euh, ou d'échec, elle est toujours relative. Il y a certains échecs qui sont en soi des victoires, euh, et il y a certaines victoires qui sont en soi des, des échecs et des défaites. Euh, si on prend le cas de, de l'Union africaine, l'organisation de l'unité africaine, c'est une victoire pour certains, c'est un échec pour d'autres. Cela dépend encore une fois de quel côté on place le curseur. Euh, je dirais aujourd'hui que l'un des enjeux, c'est aussi euh, traiter la dimension globale de cette problématique-là, puisqu'on a beaucoup parlé du continent africain, mais toute la diaspora est également euh, concernée. La situation des Noirs aux États-Unis est très problématique, on le voit dans la manière dont ils sont traités par, par l'État américain euh, depuis euh, des siècles et des siècles, en sachant que les Noirs aux États-Unis ont toujours été la première force de résistance à l'Empire américain. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas, pas négligeable, mais qui aujourd'hui souffre du fait que les solidarités de lutte ont un peu disparu. Euh, à, dans les années 50-60, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis euh, mobiliserait des foules en Afrique, on aurait déjà des manifestations devant les ambassades américaines. Mmh. Et ce n'est absolument pas le cas, il y aurait déjà des pétitions pour demander euh, des, des, des sanctions, euh, etc. Alors qu'aujourd'hui, en dépit des réseaux sociaux qui nous font vivre la mort... Instantané d'un homme, comme ça, eh bien, euh, il y a une incapacité, je dirais, euh, à relancer les, euh, les dynamiques politiques, les rapports de force euh, politiques sur le terrain, euh, qui est peut-être lié aussi à une dépolitisation générale euh, des populations, qui est peut-être lié aussi que nous sommes certes très nombreux à protester ou à ne pas être contents. Mais nous sommes trop peu nombreux à vouloir prendre des responsabilités et à assumer également nos positionnements. Et donc, on est encore dans la, la difficulté de réaliser ce que Amilcar Cabral appelait le, le suicide de classe, c'est-à-dire être capable de tourner le dos aux privilèges que le système pourrait nous apporter et de nous rapprocher davantage de luttes qui, au premier abord, peuvent nous paraître être des causes perdues, mais qui sont en soi des causes déjà gagnées. Et je pense que c'est un des éléments que ceux d'en face ont compris. C'est-à-dire que la France a compris que c'est déjà perdu. Il y a une machine qui est lancée. De génération en génération, il y aura de la contestation, de l'opposition, de la résistance. Maintenant, le défi à notre niveau, c'est comment on transforme tout cela en quelque chose, je dirais, qui prend forme. C'est comme tout le mouvement que l'on voit en Algérie depuis, depuis plus d'un an. On sait que ce n'est pas fini. Donc à quel moment... Ce mouvement-là donne quelque chose de nouveau. En fait, c'est la question de la maturation. À quel moment les choses arrivent à maturation Et au moment où elles arrivent à maturation, ben, il faut être prêt. Donc il faut former, il faut être sur le qui-vive de manière constante. Il faut être prêt. Il est très probable que dans les euh, 3-4 prochaines années, euh, la, la moitié des dirigeants africains actuellement au pouvoir n'y soient plus. Il y a de nouvelles générations qui se préparent. Euh, Macron prépare ses Golden Boys. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en face Comment on s'organise et c'est pour ça qu'il faut s'engager. Euh, c'est pour ça que ce livre-là, je décris dans cette logique euh, de donner une base programmatique et historiographique aux personnes qui s'intéressent au panafricanisme, qui en ont parfois une vision très caricaturale, et que euh, l'étape suivante, eh c'est de, de s'engager. Euh, et donc, c'est euh, un livre engagé, c'est un essai engagé. Euh, Moi-même, je suis un historien engagé dans différentes structures, la Ligue panafricaine au Moja et autres et euh, l'histoire aujourd'hui et eh bien il faut euh, il faut l'écrire euh, parce qu'elle n'est pas n'est pas terminée tout simplement très bien et bien je, je vous remercie infiniment pour euh, cette très riche discussion cette passionnante discussion et cette passionnante lecture que je, je recommande très vivement à l'ensemble de, de nos internautes ça s'appelle donc africa unité une histoire du panafricanisme aux éditions euh, de la découverte merci euh, de nous avoir suivis merci pour votre fidélité et à très bientôt sur hors série musik